réussi pour John Jones et 46% de précision face à Francis Ngannou. Et allez, boum, encore un coup à la tête. Décidément, c'est une vraie avalanche de coups de poing. Et c'est vrai que pour les spectateurs, c'est surprenant. Ce coup l'a envoyé au sol. Il se relève à trop. Ce coup de pouce, c'était très mal. Oh, c'est terminé. Quand on envoie un coup de coude aussi puissant sur son adversaire et qu'il n'est pas contré, généralement, oui, c'est la fin. Allez, on revoit les meilleurs moments du round. À ce niveau-là de la compétition, une télé...